Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce quatrième épisode. On va continuer donc notre progression. Je pense qu'il n'y a plus grand chose qui peut nous arrêter à moins qu'on découvre je ne sais pas où et par je ne sais pas quel. Comment dire? Your minions are fighting the enemy. Par quelle magie, je ne sais pas. Je trouverai des ennemis qui sont beaucoup plus forts et qui m'écrasent tous. Mais je ne pense pas. Franchement. Je pense que s'y perdre, ce n'est plus une option. On a de l'or autant qui va bien. Et autant qu'on veut surtout, hein. Là, on va mettre un truc qui peut détruire ici un démolisseur. Boum. Voilà. Le reste après, on détruit tout, on creuse tout. Ouais. Ouais. Pardon. J'ai cherché où je l'avais mis en fait. Il est là. Voilà. Pierre, ok. Pourquoi personne ne veut un claim ça ici? Si j'ai déjà un avant-poste ici, ce serait bien. Pour placer mes unités, entre autres. Alors, il y a combien d'unités ici? Ok. 14 sur 44. Oh, ça va, on a le temps de voir venir. Tiens. Your minions are being attacked. Ok. Voilà, vas-y, capture. À mon avis, y aura des pièges ici. Hein. Même pas. Ah bah si, il y a un piège. eh bien. XP quand tu nous tiens. Boum, voilà. Alors maintenant on va prendre. Mais ouais, t'inquiète. Ah, quand même, Oculus Lost. Et où? C'est quoi ça? Alors on va vérifier avec la prophétie, hein. Marcus, d'accord. Je vais lui faire mordre la poussière, le petit Marcus. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être bien. Alors. Ouais, ça se téléporte à tout va. Ça va être embêtant, ça, par contre. You've identified an artifact of experience. Allez. Non, bon. Eh bien, soit. On va faire ça alors. On va le faire manuellement, c'est pas grave. Ils veulent pas. Voilà. Ah, on a une créature ici. On en a même plus qu'une. Ah, la rend vite et le taquet. Hein. Ah, c'est bien, je vais le prendre directement. Oh là là, ça va être un carnage. On va soigner un peu nos unités. Hein. Voilà. Ah, bien sûr, ils ont été se mettre. Où ils risquent rien et où je peux pas mettre de spawn, bien sûr. Voilà. Hop. Bon, j'ai perdu un rongeur, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. J'ai pas dû en perdre beaucoup, hein, croyez-moi.
The Empire presents is fish food. Voilà. Well done, Underlord. Fish food, d'accord. J'aime bien la traduction, quoi. Là. Et on va avancer, hein. Tant pis, maintenant on roule sur l'or. C'est ce qu'on peut se dire aussi. You cannot store more gold. Voilà, j'ai tendance à pas aller dans mes menus et pas enlever toutes ces choses là. Pour moi c'est secondaire, croyez-moi. Alors utiliser un démolisseur, ouais. Et détruisez le cœur du donjon. Ouais. Alors. Encore faut-il avoir un accès ici. You've discovered a perception shrine. Voilà. Not enough mana. C'est ici qu'on aura. On va aller chercher. On va claim. Et après, je vais creuser ça ici. Quelle. Voilà, merci les gars, impeccable. On va creuser ça. Et on est juste en bordure de notre adversaire, donc Marcus, ici. Et on pourra aller peut-être lui titiller et lui botter le cul. A gnarling cannot satisfy its needs because it is rallied. Ok. You've discovered a perception shrine. Je crois qu'on va passer par là. C'est un peu bourrin, mais taillot, comme on dit. C'est fortifié, je suppose. Ouais, c'est fortifié. C'est pas grave. En soi. Voilà. Nous y sommes. On est droit chez les ennemis. Ah, là, ils vont pas aimer, je crois. Non, ils aiment pas ça du tout. C'est très bien. Allez. Regardez, c'est parti. Et c'est qu'il utilise ses sorts en plus. Ça, allez, va. Ah ouais. En tout cas, c'est pas moi. Mais pourquoi t'as fait ça? Voilà. Pour le moment, c'est bon. On va aller droit sur le cœur. On va faire un rush. Le reste, c'est pas intéressant. Et c'est pas important, du moins. Voilà, tes petits soins, on claim. Ok. You have discovered a gateway. Droit sur le cœur. Ça, c'est une charge en bonne et due forme. Patrick, il s'en est à ce que j'arrive à ici. C'est un bleu. À la fois, la tenue ici. Logique. Et là. On va les laisser. Voilà. Fanatique. D'accord. Ouais. L'autre il s'éclate. Ah vas-y si ça t'amuse. Eh oui. Oui moi aussi je chante ta mort arrivée. Fais maison même. Et voilà Marcus, tu n'es plus. You regret not heeding my advice. Underlord, this campaign will be the end of you. Ouais. It's payday. Je dois détruire le machin ici en fait. D'accord.
Voilà, on va faire ça, on va le mettre là, on va le détruire. Et ce sera fait, comme on dit. Underminer complete. Je me suis pas senti une seule fois en danger. Your bon. Vaults cannot store any more gold. You've claimed a gold shrine. T'as intérêt de bouger, sinon tu vas péter avec. Boum. Et... boum. Nailing lost. Mais non. Voilà. A minion is getting angry because it hasn't been paid. Mais non, t'inquiète. Les mecs, j'ai 51 000, ils arrivent encore à être pas contents parce qu'ils ont pas été payés, quoi. Now that his core is a smoldering ruin, there are other matters that need your attention. The Underlord Raskos was locked in a scrap with a gaggling of greasy midgets, but has since gone silent. Get over there and find out what the hell is going on. It seems a job well done, Underlord. Ah ouais, bon, j'ai eu le... Marcus's shattered spirit will not soon forget the price. La mission annexe. Bon, pourquoi pas. Now that the inhibitors. Alors, c'était la 4, hein, c'est ça. Nuance de gris. Ok, c'est bien ça. Eh bien, on va commencer la cinquième mission, alors. Ici, je crois. Oui, c'est bien ça. On le voit, j'ai déjà fait. Hein. Détruisez tous les portails de l'Empire au niveau 5. Oh, ok, bon, c'est parti. On verra. J'ai un petit peu oublié ce que c'était. Alors... Raskos has been forced back to his realm by the dwarven allies of the Empire. Fortunately for you, his dungeon remains relatively intact. By claiming his dungeon core, you will be given control of all that he once owned. In the meantime, I'll learn more of the situation within his own realm. Ok, sympa. Bon, bah ils l'ont exilé, mais ils ont laissé tout ces affaires là. Brillante idée, ou pas. Eh bien, on va regarder, hein. On va creuser, on va essayer de faire des... comment dire, des pièces assez vite. En plus, il y a de l'hôtel d'or, il y a des pièces. Ok, bon. You found a neutral chamber. On va les laisser creuser parce qu'ils doivent d'abord chercher partout aussi. You need a larger vault. Ouais, je sais. Voilà, on va commander plein de petits gobelins d'abord pour qu'ils puissent tout claim et creuser. Comme ça devrait être fait. Et assez vite. Pour éviter de perdre trop de temps aussi, bien sûr. Voilà, c'est bien. Voilà. Bon. En fait, on va faire des grandes salles l'une à côté de l'autre, je crois. C'est ce qui est... je vais pas dire le plus rentable, mais si, quand même. Voilà. Ok. You have claimed a gateway. A cultist has entered your dungeon. Alors, on va déjà commencer par là. Boum, juste autour, c'est de l'or. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'y place pas des pièces. Oh là. Oh. Ah, qu'est-ce qu'il veut? Totem de protection? Non. Totem de remplacement. Remplacement, une case avec ce... je sais pas ce que c'est. Utiliser terre de remplacement sur une terre pour créer un nouveau mur à sa place. Ah ouais, d'accord. D'accord, je comprends mieux. D'accord, on peut y vendre des murs. Ah, oula.
un sanctuaire. Nouvelle. Ouais. Lien changeant activé pour transporter le cœur de votre donjon vers un autre royaume. Ok. Ready yourselves, lads. It seems they left a dwarven rear guard, but you should be able to quash them. Il est où le cœur de mon donjon à moi? Il est là, c'est ça? On est bon. Ok. Has a few brewed potions remaining within it. Grab a quick freeze potion and drop it upon these invading midgets. You cannot lock enough mana. Ouais, j'ai trop de. De petits sbires qui prennent trop de mana. Bon, bah c'est pas grave, on va faire avec. En soi, c'est pas un problème. On va essayer de d'utiliser toute la place qu'on a ici. On en a de la place. Hein. Roche impénétrable, ok. Donc c'est. Je pensais la détruire avec les sorts, mais non, ça ne servirait à rien. Hormis m'amuser un petit peu. On va faire ça. Voilà. Ça c'est. C'est plutôt correct comme pièce. Ouais. On va faire les choses en grand. Hein. Comme ils ont tendance à aimer les choses grandes, on va leur donner ce qu'ils veulent. Il regardera pas au niveau des finances, c'est pas. Oh! Un cinglé. Laboratoire d'alchimie, d'accord. Bon, je l'ai pas. Ça, c'est quoi ça? D'accord, un repère. Bon, bah, le repère, on va l'agrandir alors. Hein. Ouais. Attendez, je veux être sûr d'avoir choisi le bon truc, ouais. Et c'était bien ça, c'était pas le bon truc. Voilà, boum. En repère, on a de la place. Ok. Ouais. Et je crois que la caserne, je vais la mettre ici quelque part. Comme ça, j'aurai un. On va dire un regard sur les deux avant-postes qui sont ici, situés juste ici. Je voudrais pas qu'ils arrivent et que je le vois pas. Vous voyez? Simplement. De toute façon, c'est à lui à me bouter dehors, hein. C'est pas moi à aller le chercher. Enfin, au début, hein, bien sûr. Après, effectivement, s'il veut pas venir, bon bah voilà. S'il n'y a pas moyen de discuter, bah j'irai le chercher, c'est tout. Et... Insufficient lockable pas grave. Alors. Il y a les nains qui envahissent votre donjon. Pas de problème. Ah. Alors toi, déjà on va pas être copains. Si t'attaques mes gars comme ça, sans aucune sommation. Voilà. Merci. Now continue to build defenses and brew potions to use against these rancid. Alors normalement. While the dwarves have a nearly inexhaustible army, it will take time for them to bring to bear their more experienced soldiers. Normalement, je peux. And attack. Let's spank these wretches back to the ether. Boum, 8000 en moins. Ça pique, hein, les bâtiments, croyez-moi. Est-ce que j'ai un gold shrine, d'ailleurs? Oui, mais je le fais pas miner. Bon, ça commence bien. Ok. Il va falloir que je crée aussi un truc de une caserne, ici quelque part. Là, tac, tac. Qui fera tout cette zone-ci, ouais, ça me semble. Ici, tac, tac. Bon, c'est toujours trop grand, hein. J'ai un petit peu cette manie d'être mégalomane, mais au moins, la fin justifie les moyens, comme on dit.
ça me pose aucun problème. Bon, c'est juste mes finances qui font toujours la gueule quand je construis un bâtiment. Parce que ça coûte de 10-15 000. Hein. Alors, unité 4 sur 6. Voilà. D'accord, cinglé perdu, et il est où? Mort? Pourquoi je... Ah ouais, d'accord, il est mort avec le... D'accord. On va le chercher avant qu'il meure. Vraiment. Ça va être chaud. Non, ça va, ouf. Ah, on a du monde ici. Regardez-moi ça. On t'a dit de venir, toi. Non. Et toi? Non. Non plus. Bon, bah, c'est bien. Alors. Les fanatiques. Non, pas des fanatiques. Des rongeurs, pardon. Voilà. Merci, au revoir. L'avantage, c'est d'avoir des grandes salles. Enfin, oui et non. On va dire que si jamais ils viendraient avoir des ennemis, bah, ils peuvent rentrer, aller jusqu'à mon cœur du donjon sans problème. Mais regardez, il y a quand même un petit mur de défense, juste pour tuer les plus impétueux. Cassion, ok. Bon. It's payday. Pas ça, si? C'était pas ça. Bien joué. Je ne connaissais pas. Voilà. Ça c'est bon, ça c'est fait, ça c'est fait. Il nous faudrait donc maintenant... au moins une caserne. Ça serait bien, ouais. Oh, bah regardez. Ils peuvent se balader comme ils veulent, en fait. Bon, après, c'est pas grave. Ils tomberont toujours sur un gars qui se baladera dans ma base. Mais c'est pas une raison. Ouais, je me sens pas en danger non plus, hein, franchement. Ouais, non, je me sens pas en danger du tout en fait. Parce qu'au final ils peuvent rentrer, ouais, mais ils sont pas méchants. Regardez ça. Ils viennent se frotter à mes gars ici. Donc cochon. Ça on va le faire. Voilà. C'est pas grand chose. Et vas-y, agrandis. Hop. Et là, on va l'agrandir aussi, bien sûr. Voilà, un peu plus de cochons pour la nourriture, parce que je sais pas si on a du monde. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est agrandir. Bon, je sais même pas si on peut, si ça servirait à faire à grand chose. Ah, il y a mes fanatiques là qui sont ici occupés d'invoquer donc le rituel. C'est bon. Alors, on l'avait dit. On avait dit ça. De l'entraînement. Ah là, ils vont être contents. Hein. Bah ouais, tu m'étonnes. Normalement, je devrais avoir des nouvelles créatures. Ah non. Toujours pas. Hop. Si j'agrandis, peut-être. Qui sait? Alors, combien? 4 sur 6. C'est bien ça. Ok, mais en faut plus. Toujours plus. You do not have enough gold. Ah ouais, ça, tu m'étonnes, j'ai pas assez de sous.
Et là, on va les laisser prendre des levels. Et quand ils seront assez hauts, on fonce dans le temps. Ah ouais, j'ai même pas assez de sous pour construire un pont. C'est scandaleux. Ah, et d'ici, je fais un pont là-bas. Alors, par contre, on va regarder, on va vérifier, on va une fois aller voir avec les sorts. Qu'est-ce qu'il faut? Les portails de l'Empire. Ok. Et ça se situe où? Ah, c'est ça. Ok. Bon. On a fait de l'XP, hein. Mais rien de bien méchant au final. Ouais, je pourrais faire un pont ici comme ça. Hop hop hop, qui part ici et qui part ici. Ouais. Et comme ça, ça pourrait me permettre de les détruire directement. Il y a quand même un niveau 5 hein, dans l'histoire, donc on va y aller doucement. J'ai pas envie de perdre toutes mes unités comme ça directement. On va les laisser s'entraîner. Boum. Voilà. Et là, ça donne quoi? 5 sur 8. Bah voilà, c'est beaucoup mieux quand même. T'as encore augmenté ça, je crois. 6 sur 9. Voilà. Et là, je peux en mettre combien? 6 sur 9, bah voilà. Ah, attendez, il y a quelque chose qui clignotait sur ma carte. Ah bah, normal les gars. Vas-y. Ouais, j'ai perdu un gars ici, bon c'est pas grave. Il va aller le récupérer, vous avez vu directement, donc ils vont chercher leur corps et ils vont les placer dans le repère. Donc, ça permet de se faire soigner en fait. Ah, donc là on a un sort. Ça permet de visualiser pour pas devoir aller chercher directement. Hein. Là normalement il y a un portail aussi, impeccable. En plus ici on est juste à côté, donc les malheureux. Bon, je pense que c'est assez grand. Hein. 7 sur 12. Je peux pas faire mieux, en tout cas. Alors, bon bah. Et si on se préparait à attaquer? Oh les fous, regardez. Oh les fous. Ah, j'ai vraiment bien placé cet endroit. La caserne est vraiment bien placée stratégiquement. Regardez, ils arrivent par ici, en plein dans ma caserne, ou ils arrivent par là, en plein dans ma caserne. Les fous. Alors, est-ce que j'ai un sort, mes amis? Est-ce que je peux te pulvériser? Boum. Pulvériser. Voilà. Et là, c'est parti. Non, c'était pas les fanatiques. Tant pis, on fera avec. Voilà. Regardez ça. Et là, ça fait free XP. J'espère que j'ai pas été trop vite, par contre. Voilà. Au moins, lui, il est détruit. On a perdu un Gnarling, ouais. Un rongeur du moins. Voilà. On va les terminer tranquillement. Voilà, boum. Et de 1. C'est quoi ça?
Alors. Cultist lost. A cultist is unhappy because it is tired. Your minions fight the enemy. Allez, tu peux le tuer là, ouais. Vas-y. Voilà, tout est positif. On va faire de la même façon de l'autre côté. Il y a une petite, un petit mode attaque éclair. Rien de plus, rien de moins. Hein. C'est pas personnel, heureusement. Voilà, hop. Hop. Your minions have engaged the enemy. Ouais, moi aussi. Ah. On va les laisser. Gnarling lost. Bon, il y a du... Par contre, ici, il y a de la résistance. Hein. Nom de Dieu. Regardez. On a des balistes ici de tous les côtés. Et après, on les laissera se reposer un petit peu. Parce que bon, ça n'est quand même que des niveaux 2. Hein. Ah, oula, oula. On va perdre des gens ici. Oh oui. Your minions are falling in battle. Quand j'aurai détruit ça, ça ira beaucoup mieux. Voilà, maintenant ils vont pouvoir enfin se concentrer sur tout ce qu'il y a autour d'eux. Voilà. Ah ouais, il y a une paire de morts. Hein. Voilà. Ça, bien sûr, je suis pas chez moi. Donc, je ne peux pas invoquer des sorts offensifs. Bon, ça va aller. Regardez. C'est qu'une question de temps, les amis. Voilà. Ok. Your minions have engaged the enemy. Alors, ok. You have insufficient mana to cast that spell. Alors, toi, t'es plutôt un traître. T'attaques les ennemis qui sont au sol. Et c'est ici que je vous laisse. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker, partager. Abonnez-vous aussi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à tous. Bye bye.